Ready to fight? Ready. Et c'est parti pour ce combat spécial avec des règles bien spécifiques. Puisqu'il est interdit de tenter de slammer son adversaire au sol, d'essayer de placer des takedowns ou des balayettes dans le clinch. Il est également impossible de suivre son adversaire au sol. Tout se passe debout comme dans un combat de kickboxing. Premier round et ça saute aux yeux. Son allonge va lui permettre de voir venir. Ah ça, avec de tels bras, il va pouvoir gérer avec son jab et toucher son adversaire pour l'empêcher de se rapprocher. Ce direct qui pénètre sa défense et touche à la tête. Bien bloqué le coup de coude envoyé par McGregor. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Belle esquive de McGregor. Il commence à avoir le visage un peu bouffi, je dirais. Espérons que ce ne soit pas très grave. Ça ne me gêne pas par la suite. Mais je ne m'inquiète pas, même comme ça, il est toujours plus beau que vous. Son coup de pied passe à côté. Joli, ça attaque au corps. Et allez, il vient lui dire le reste après cette grosse frappe. Ouais, il veut rentrer au maximum dans sa tête. Et boum, encore un coup à la tête qui touche. Quelle combinaison de coups, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant, mais ça peut être dangereux. La tête, ça ne pardonne pas. Oh, il l'a bien secoué, mais pas assez pour arrêter le combat. Dommage, parce que l'occasion de se reprendre peut-être pas. C'est parfaitement. Je crois que c'est plutôt douloureux. Eh ben, imaginez une série de gifs que vous avez du mal à éviter, c'est pareil. Quel enchaînement de coups de poing. Mais c'est assez efficace en plus. Et regardez-moi son attitude. On dirait un boxeur sur un ring. Je vous la uppercute complètement manqué. Il le bloque en puissance. C'est la fin de ce combat. Revoyons les dernières séquences du combat.